Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réflexion. Réflexion, aujourd'hui nous sommes le 15 mars 2024. C'est vraiment avec un grand plaisir, c'est toujours avec beaucoup de joie lorsque je vous retrouve pour cette émission où nous réfléchissons sur la réflexion, disons la République démocratique du Congo. Cette réflexion porte sur les solutions que nous, ici à Contact pour l'AF, nous proposons. Je vous rappelle, pour ceux qui me suivent pour la première fois, mon nom c'est Germain Kaindo. Nous sommes en train de réfléchir ici à partir de l'Afrique du Sud où nous sommes, où nous émettons nos émissions. Nous émettons ces émissions réflexions et parfois réactions deux ou trois fois par semaine. Mais réflexion, comme je vous avais dit, donc c'est une émission où nous réfléchissons sur notre pays et proposons des solutions. Nous voyons dans quelle optique est-ce que nous pouvons essayer un peu de diriger les actes qui amèneront notre pays à la libération, à l'indépendance totale ou à résoudre certains problèmes primordiaux ou certains problèmes principal qui cause à ce que nous puissions, nous sommes toujours comme des gens qui ne réfléchissent pas, nous sommes toujours comme des sous-hommes. Ce sont ces problèmes-là principaux, les problèmes de base sur lesquels nous réfléchissons. Et nous réfléchissons comment est-ce que nous pouvons implémenter ces solutions-là que nous proposons. Pourquoi ? Parce que nous avions remarqué que beaucoup des partis politiques ou beaucoup d'acteurs politiques qui dirigent aujourd'hui notre pays arrivent au pouvoir sans toutefois avoir les solutions à appliquer lorsque dans leur gestion. Nous avons l'exemple typiquement aujourd'hui avec M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi lui-même, ce n'est pas moi qui l'ai dit, il dira que non, il ne saura pas ce qu'il faut faire tant qu'il n'aura pas le pouvoir. Or, l'exercice de pouvoir, c'est une projection dans l'avenir en fonction de résoudre les problèmes que vous connaissez, qui sont actuels, et que vous pensez qu'en implémentant une solution, et c'est cette solution-là qui voudra faire à ce que vous puissiez faire sortir le pays ou bien résoudre certains problèmes qui se posent. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes en République démocratique du Congo. Vous êtes sans le savoir que nous avons un problème d'insécurité. Vous êtes sans le savoir que nous avons un problème de gouvernance de notre pays. Voilà dans lequel dans quelle ambiance ou bien dans quel sujet aujourd'hui nous naviguons. Aujourd'hui spécialement, nous allons parler de quoi? Nous allons parler même de l'implémentation de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base afin de résoudre le problème d'identification. Vous comprenez, mes chers amis? Donc, c'est un problème qui traite aussi de la guerre, de l'insécurité et de la gestion même du pays. Voilà un peu, nous allons donner aussi des exemples et nous espérons que cela va vous plaire. Donc restez jusqu'à la fin pour être édifié de comment nous pensons pour notre pays. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui sont abonnés, partagez l'émission parce que les idées que nous avons ici, ce sont les idées qui, nous pensons maintenant, devraient aller dans la masse afin de corriger même la conscience du Congolais. Comment est-ce que nous, les Congolais, nous pouvons réagir devant des actualités? Alors, avant d'aller un peu plus loin, comme tous les jours, ici, nous prenons les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Donc, vous avez 5 journaux dans lesquels je vais vous lire les grands titres. Si vous avez besoin de vous informer plus, allez sur ces journaux-là. Et puis, après là, nous nous retrouvons pour le développement de notre sujet, la rétrocession du pouvoir et comment résoudre les problèmes principal ou les problèmes de base de notre pays. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, 4 chancelleries occidentales appellent à la libération du journaliste Stanny Bujakera. Le moratoire sur l'exécution de la peine de mort enfin levé. Et puis Bukavu, les infirmiers et infirmières menacent de boycotter les services. On va sur actualité.cd. Ici, nous avons vu élection sénatoriale, 62 candidatures, dont 2 féminines enregistrées au site Kivu. Incendie dans un site de déplacés à Djougou. Au moins 2 morts et une trentaine d'abris ravagés par le feu. Justice près de 8 mois après sa condamnation, Jean-Marc Kaboun n'est toujours pas
notifié de l'arrêt de la Cour de cassation. Congo profond, Ligue 1 Playoff, Dauphin Noir déplume les aigles du Congo et s'offre une belle option. Simon Kimbangu Kiani, reçu par le président Félix Tshisekedi à la cité de l'Union africaine, puis l'INAFOOT 2-1 Playoff. Enfin, le ciel s'éclaircit pour le football club Lubumbashi Sport. 7 sur 7, voici 46 députés nationaux repêchés par la Cour constitutionnelle. Et puis contentieux le législatif national, 49 requêtes sur 1123 déclarées recevables et fondées. Et puis Jeux africains, déjà 4 médailles raflées par la RDC. On va sur Radio Okapi pour terminer. Contrat minier chinois, signature de l'avenant de 7 milliards de dollars entre la RDC et le GEC. 30 personnes enlevées par les hommes armés à Ango. Et puis Kinshasa, le Conseil d'État se penche sur le contentieux électoral ce vendredi. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'est un peu ça, quoi. Donc vous avez suivi, l'actualité est prédominée par les tractations, la Cour constitutionnelle qui a invalidé certains députés. Il y a une certaine animosité au sein de la classe politique congolaise. Les gens ne se retrouvent pas, les gens sont en train de se battre pour le poste, le gouvernement n'est pas encore prêt. Donc toutes ces histoires-là font à ce que notre pays, nous sommes comme dans une imbroglio où c'est comme si nous n'avons pas de solution pour notre pays. On pense peut-être que la solution viendra ailleurs. Et beaucoup encore, avant que nous puissions passer à d'autres sujets là, je voudrais parler un peu de cette rencontre qu'a voulu et qu'a demandé le président de la République pour rencontrer M. Kagame. Nous y revenons, donnez-moi quelques minutes pour que... Parce que j'ai vu la dernière des émissions... Il y a eu beaucoup de gens qui ont commenté sur ça et ils m'ont posé la question, mais qui a besoin de qui en République démocratique du Congo? Voici ma réponse à cette question. D'abord, vous n'êtes pas sans le savoir que la guerre se trouve sur notre territoire. C'est nous qui sommes concernés par la guerre et l'insécurité, le déplacement massif de la population à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes allés aux élections sans une certaine partie de notre pays. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont, disons, les territoires de Nyiragongo et tous les Rutshuru n'est pas parti aux élections. À cause de quoi? À cause de cet mouvement insurrectionnel de ce qu'on appelle les M23, que nous disons qu'ils sont supportés par le Rwanda. Nous avons déclaré ces gens-là comme des terroristes, des gens avec qui nous ne pouvons pas parler pour résoudre les problèmes internes de notre pays. Nous ne voulons pas entendre ces gens-là, mais plutôt, comme nous avons en idée que ce sont les Rwandais, c'est le Rwanda qui est en train de nous menacer, je ne veux pas revenir dans tout ça. C'est comme ça que le président de la République a dit non, il ne causera pas avec le M23, mais il parlera avec le patron de M23, c'est-à-dire le Rwanda qui est entré comme... entre guillemets, est considéré comme l'agresseur et qui profite de nos minéraux. Donc, tous les mots possibles qu'on a qualifié le Rwanda, c'est le président de la République donc, qui a demandé cette rencontre. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est nous qui sommes demandeurs. Nous nous retrouvons dans une position de faiblesse d'abord. Ça, c'est un fait. Parce que nous pensons qu'en causant avec Kagame, et c'est nous qu'il y aura une solution à ce problématique-là des M23. Qu'est-ce que Kagame demande? En tout cas, ça, je vais réserver ça encore dans une autre émission réaction, parce que ça demande en tout cas beaucoup de données que nous disposons. Et je crois que avant samedi peut-être, où nous allons le faire dans l'émission live que nous sommes en train de préparer pour que nous puissions aller de tout ça en détail. Donc vraiment, accrochez-vous. Parce que nous avons de la matière à vous exposer. Le président fondateur a demandé, l'interlocuteur c'est donc Kagame. Kagame est parti par la personne, le président de l'Angola qui joue le médiateur. Kagame s'est dit prêt, mais qu'est-ce que nous allons entendre? Qu'est-ce que Tozo Zelanini n'a pas rencontré?
Est-ce que ça sera la fin du M23 pendant que le M23 est en train de conquérir d'autres pays, d'autres territoires là-bas? Donc, c'est, moi, je crois que nous allons réserver d'ici samedi, disons donc demain, peut-être à l'émission live ou dimanche, la décortication de ces sujets-là. Mais aujourd'hui, penchons-nous d'abord un peu sur le fait de la solution globale de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Qu'est-ce que j'attends par la rétrocession du pouvoir au niveau de la base? Moi, je pense que tout ce que nous vivons aujourd'hui tourne tout autour d'une certaine identification, d'une certaine reconnaissance du peuple congolais dans la gestion même de son pays. Nous ne connaissons pas comment est-ce que nous devons gérer ce pays moderne. Et c'est là où vient tout le mot. Nous sommes en train de nous compliquer en essayant de copier les autres, surtout la France. Et moi, je me suis dit, tant que nous n'avons pas encore arrivé à faire rétrocéder le pouvoir, à faire parler, ça c'est ça que en d'autres termes que moi je m'exprime ici. Donc il faut faire parler les Congolais, il faut que les Congolais soient solo là. C'est ainsi que lorsque je vous parle de cette rencontre entre Félix et Kagame, moi je ne vois aucune solution là-bas. La solution que moi je prône ici, c'est la solution en interne, c'est-à-dire que nous devons prendre le tout anglophone, parce que le problème qui se passe à Chopo, à Kisangani là-bas, c'est le même problème qui se passe à Matadi, c'est le même problème qui se passe à Lubumbashi, c'est le même problème qui se passe à Bukavu. Et donc, le problème d'insécurité, ce n'est pas seulement à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une question de gestion de notre pays. Sommes-nous capables de gérer notre pays? C'est ça la question principale qu'il faut se poser, mes chers amis. La question principale, c'est la gestion du pays. Est-ce que nous sommes capables de gérer? Sommes-nous capables? Sommes-nous en train de bien gérer notre pays? Pourquoi tant de frustration? Pourquoi tant d'opposition? Pourquoi tant de guerres? Et là, ça demande à ce que nous puissions nous parler. Et là, nous avons eu sans que nous vendons la messe, nous avons eu et que tant que nous ne serons pas ensemble. Et cette unité-là, nous la recherchons depuis l'indépendance. Dès que nous avions eu l'indépendance, nous avions commencé à nous disputer entre nous. La période entre 60 et 65 a découlé par un coup d'État. Je parle un peu ça, un peu en brossant ça pour vous ramener, pour vous faire voir que la cohésion nationale n'est jamais obtenue pour que nous puissions gérer le pays. C'est ça le problème qui se pose en République démocratique du Congo. Le grand problème, c'est cette unité qui n'est pas là, qui n'existe pas. On est en train de tourner tout autour du pot en pensant que si nous donnons de l'argent aux Congolais, dans les poches des Congolais, le Congo va être développé. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la globalité où tous les Congolais peuvent se retrouver. C'est la loi. C'est la justice, pardon. Donc, un component qu'on peut mettre vraiment, c'est la justice. L'équité en République démocratique du Congo. Sommes-nous en train de partager équitablement les richesses de notre pays? C'est là le grand problème qui se pose, la gestion de notre pays qui n'est pas rationnelle. On ne se retrouve pas dans les concerts des nations. Malgré toutes nos richesses, nous sommes toujours qualifiés comme le pays le plus pauvre parmi les pays les plus pauvres. Nous n'avons jamais eu de gouvernement responsable. Nous ne sommes pas responsables de notre pays. La responsabilité, nous allons l'obtenir comment? Ce n'est plus question d'aller demander l'indépendance. C'est la question d'implémenter cette indépendance justement en nous mettant ensemble. C'est de là que je me dis, toutes ces personnes-là qui viennent en vous disant, en vous montrant que c'est eux le Messie, on gagne des mots quand on bolo, on gagne des mots tunako salaboy, on gagne des mots tunako salaboy, on gagne mots tunako bongi salabino mboka. Ils sont en train de se tromper. Ce pays ne sera construit que lorsque tous les Congolais se mettront ensemble en se disant « Voici là où nous sommes et voilà là où nous voulons aller. Et comment nous allons y aller ?»
C'est là le grand problème qui se pose en République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous nous disons. Nous devons réfléchir. Comment est-ce que nous pouvons obtenir cette unité-là? D'autres personnes pensent que non. L'unité a été obtenue à Sun City lorsque Joseph Kabila et les belligérants ont fondé cette constitution ici. Mais cette constitution a été taillée à la mesure pour accommoder, pour mettre ensemble les belligérants. C'est de là qu'il y a eu des mixages. Tout le monde s'est mixé. C'était des gens qui ont pris les armes. Les autres se sont dit, bon, ok, nous voulons et tout. Ils ne sont pas venus sur la table de négociation. Nous n'avons pas mis, nous ne nous sommes pas mis d'accord, mais nous nous sommes entendus pour gérer nos égaux. Et c'est ça que nous héritons de l'AFDL. L'héritage que nous héritons avec aujourd'hui, c'est cet héritage de l'AFDL avec cette semblant de constitution qui nous bande les yeux en pensant que c'est cette constitution-là avec qui nous allons continuer. Et c'est ça le grand problème qui se pose en République démocratique du Congo. Donc, cette cohésion n'a jamais été obtenue. Malgré cette constitution de Sam City, où parfois d'autres personnes, lorsqu'ils voient que cette constitution est à leur faveur, ils proclament que cette constitution-là, elle est la meilleure. Et elle est, je parle ici de Mbata. Le professeur, il y a tantôt, quand il menaçait, il était opposant, il a dit que non, Kabila a fait tout ça, il a modifié la constitution, elle est taillée à ce mesure. Lorsque lui est au pouvoir, avec la même constitution, il commence à proclamer que cette constitution-là, c'est la meilleure des constitutions que nous pouvons avoir. Au dernier moment ici, il commence à changer de langage en disant que non, c'est cette constitution-là, nous devons la modifier, tout ça. Parce que effectivement, ça ne colle pas. Mais quel est le chemin que nous voulons apprendre? Dans tout cet imbroglio, réfléchissons un peu. Est-ce que cette constitution bénéficie aux personnes qui sont à Bounia? Est-ce que cette constitution me bénéficie, moi, qui est en exil? Non. Et la solution, que c'est ça que nous sommes en train de dire, les Congolais, ceux qui sont au pouvoir et qui voient que les choses ne marchent pas, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas être humble en disant non, il y a des gens qui ont pris les armes, il y a l'insécurité dans l'Ituri. Qu'est-ce que ces gens-là réclament? Est-ce que c'est à nous qui sommes à Kinshasa qui vont résoudre les problèmes qui se trouvent en Ituri? Est-ce que ce sont les Ituriens qui vont résoudre ces problèmes-là? Et les langues commencent à se délier parce que le problème est flagrant. Regardez ce que Kabuya a dit aux Kassaïens qui vivent au Katanga. Regardez, ce discours-là montre encore une fois de plus comment nous n'avons pas su être capables de mettre une certaine cohésion nationale, à nous retrouver sous les drapeaux, à nous retrouver tous sous un Congo qui appartient à tout le monde. Le même personne là, il dit que non, au Katanga, vous les Kassaïens, ce n'est pas chez vous ici. Est-ce que ça, c'est un discours d'unité? Est-ce que c'est ça le discours? Toutes ces histoires-là arrivent parce qu'il n'y a pas une solution globale qui envisagerait à ce que tout le monde se mette d'accord. Ici, en Afrique du Sud, ils avaient signé un acte d'engagement. Les partis politiques et tout le monde, et les représentants qui ont signé ce pacte d'engagement qui se trouve de deux pages. Que voilà ce que nous allons respecter. Et jusqu'aujourd'hui, ce papier-là a de la valeur. Il se réfère parce que ceci arrive, nous n'avons pas signé ça. Nous n'avons pas dit que nous devrons être comme ça. L'unité du pays compte. Qu'est-ce que nous avions signé? Nous sommes 450 tribus à peu près. Pourquoi j'ai dit tribus ici? Parce que ce sont les tribus qui sont les propriétaires des terres. Ils sont les propriétaires de cette terre de Congo. C'est comme cela que nous disons, voilà où est-ce que nous voulons aller en réfléchissant, en redonnant aux propriétaires de cette terre la parole. Et comment est-ce que tous ces 450 tribus peuvent signer un pacte qui va faire engager tout le monde dans une même direction en disant que ceci ne se répète plus. Que personne ne viendra au pouvoir par les voies des armes, par exemple,
Aujourd'hui, le M23 est en train de se dire, pour changer d'avis, pour que Tshisekedi parte, il faut qu'il mandoki. Mais Jikaka avait évité cette histoire-là. Kabila avait évité cette histoire-là en disant que non, nous ne pouvons pas faire ça. C'est comme ça que moi j'ai de l'administration avec Kabila, pour Kabila. Ce monsieur-là, Joseph, j'ai dit, le raïs s'est dit que non. Au lieu que ton bébé Samboka Oyo, ngana kozonga sur na troisième mandat. Mais est-ce que tu as un mandat na mutumsusu? Est-ce que c'était ça la solution? Ce n'était pas ça la solution. La solution demeurait parce que le problème principal restait. Jango yango wana Kabila tango akei akokai ko résoudre eloko wana te. C'est là où moi et Kabila, moi je me dis Raïs akokaki ko résoudre problème wana te. Atika ki yango yango wana Félix Ayepe, il ne fait même pas allusion qu'il y a un grand problème sur le peuple congolais qui n'arrive pas à se mettre ensemble. Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 hommes. Aujourd'hui, la même chose. Félix est en train de fustiger son entourage. En fait, beaucoup de gens disent que non, l'entourage de Félix est pratiquement ignorant du problème du Congo. Et donc, chacun vient là-bas pour se servir. C'est ça qui se passe. Et loko yango yango wana. Donc, Félix Tshisekedi a hérité de ce problème-là principal de la République démocratique du Congo, qui est l'unité et la cohésion nationale qui n'a jamais été atteinte. Félix Tshisekedi hérite de ça, mais il ne comprend pas, il n'a pas de solution justement pour que cette unité-là soit trouvée. C'est la conséquence même de toutes ces guerres ici. Parce que cette unité, cet engagement d'un pays qui appartient à tous les Congolais, c'est cet engagement-là qui manque. Nous ne savons pas qui est Congolais et qui ne l'est pas. Nous sommes en train de nous plaindre tous les jours. Mais nous n'avons jamais réfléchi aux problèmes sérieux, quel est le soubassement de notre pays. Qui sont ces Congolais-là? Nous nous connaissons vraiment pour que nous puissions être ensemble. Je causais avec un ami qui me disait que vous les gens de l'Est et nous les gens de l'Ouest, nous ne sommes pas tous à bande côté. Effectivement, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui nous réunit tous? C'est que le soi-disant Congo. Mais ce soi-disant Congo, avons-nous des engagements? Comment est-ce que nous pouvons nous engager pour que ce Congo ici nous appartienne tous et mettre ensemble tout le monde
les processus et les actes qui vont faire à ce que nous tous nous puissions être en paix et que personne ne puisse pas venir nous troubler, troubler notre quiétude, troubler notre paix. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de là où nous avions dit, nous nous réfléchissons à la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire que il faudrait que tous ces gens-là, Batunyoso o bazali konaka kati ya Congo, bazala identifié d'abord. Et celui qui arrivera à résoudre ce problème-là, c'est celui à qui, nous, moi, je pense qu'il aura vraiment cette flambeau-là d'amener le pays au développement. Le développement ne peut pas venir dans l'imbroglio, dans les désaccords que nous avons tous les jours. Aujourd'hui, les gens qui sont là, ils cherchent toujours à se justifier. C'est parce qu'il y a eu ceci. Oh, c'est parce qu'on n'a pas, Kabila n'a pas fait quoi que ce soit. Oh, Mboka, Sale, Mboka, Beba, Nango, Kala. Comment est-ce que moi je peux diriger un pays comme ça? Mais pendant ce temps-là, vous êtes président de la République. Tout ça, on a un problème avec l'infiltration, tout ça. Et où tu vois? Puis c'est cet soubassement-là de problèmes sur lequel nous sommes assis, que cette fissure-là qui n'est pas. La fondation du Congo n'est pas bien. Et c'est cette fondation-là que nous pensons qu'en rétrocédant le pouvoir au niveau de la base, c'est par là que nous allons fonder, nous allons mettre le fondement pour que le Congo puisse se tenir sur un soubassement d'entente, d'unité et de cohésion nationale. Comment nous allons y parvenir? C'est ça la question. Ici, à Contact Pro Live, nous avions proposé une méthode. C'est ce que nous appelons ici les états des lieux de chaque territoire. Et donc, ils ont un cas masolo et qu'ils ont un cas de territoire pour tout qu'il ne cause consensus national. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que dans chaque territoire de la République démocratique du Congo, tozana batu, tozana ba enseignant, tozana ba batu amayele, tozana ba politicien, tozana ba député, il y a des gens. Il suffit tout simplement à ce que nous puissions donner la parole à ces gens-là en disant. Tout à l'heure, il y a beaucoup s'impliquer bino nyo so vraiment dans la gestion et territoire na bino. Et concerné bino. Les territoires doivent les Congolais doivent se concerner. Moi, je dois être redevable à ceux qui sont à Kikyo. Les gens qui sont à Kikyo chez moi, dans mon territoire de Lubero là-bas, on doit connaître qu'il y a un enfant qui s'appelle Germain Kaindo qui est en Afrique du Sud. Moi, je suis redevable à qui? Je vois parfois les gens qui vont à l'ambassade demander les documents et tout ça. Parfois, nous avons des doutes à ces gens. Moyen de vérifier. Tout ça, n'a moyen de. Les lots ont formation même, il y a Mboka, il y a Mapinga Nabiso. Pour que nous puissions former la République. Comment est-ce que nous devons identifier ces gens-là? Il y a des doutes. Et là, quoi, na tokoma koloba, batu ebele, bazolo, ba, oh, ba Congolais, ba yebani, ba Congolais, toye bana kaka. Oui, c'est vrai, ba Congolais, toye bana kaka. Mais sur quelle base juridique? Kaka pour la morphologie à moutou. Il y a un moment où on a dit que les gens sont zombo ou quoi que ce soit. Excusez-moi, parce que ça, ce sont des termes sensibles que les Congolais ne veulent même pas entendre. Et là, on a un peu de temps pour implémenter le schéma de implémenter le loyo. Il faut que le président de la République a reconnaître d'abord que tozo kende mabe. Le président de la République, qui a le pouvoir aujourd'hui, et s'il veut vraiment rester dans les annales de l'histoire à la reconstruction de ce pays, devrait être humble en disant Mboka oyo, atato keboye, Mboko eza ya mutu mon côté, Mboko eza attribue mon côté. Implémentons les dialogues sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo qui aboutira à l'identification de la population et à une nouvelle constitution. Nous ne pouvons pas appeler certaines personnes qui seront capturées là-bas, qui seront corrompues, tout ça. Mais imagine-toi que s'il y a 145 points où le Congolais est en train de se parler. Quand est-ce que vous allez corrompre ces 145 points? Batouana nyoso tout, 300 personnes dans chaque territoire. Ba vandi po ba solo la. Sécurité nabisu ezandengenini. Comment est-ce que nous allons commencer à identifier les gens ici chez nous?
quels sont les points de repère batouni n'ango toki ko désigner bazala na tribunal et identification à population. C'est chaque population, c'est chaque territoire qui devrait se prendre en charge. Et c'est par là que moi je dis, quand nous rétrocédons ce genre de pouvoir au niveau de la base, tokoya ko bimana eloko moko obisonyo surtout engagement ko za la keno. Vous êtes 140, de plus de 450 tribus. Répertorions-nous. Ba tribu nini yango evanda kana territoire o boya awa. Parce que dans le territoire on se connaît. Ba ebani. Tout le monde se connaît dans le territoire en sachant que o ya utiwa o ya kendaki o ya zanani. Et tous ces gens-là, lorsqu'ils vont se mettre d'accord en se disant insécurité za côté parce que tozana or mingi. Comment est-ce que nous pouvons arrêter par exemple que non exploitation à or na territoire na biso biso nyon soto contrôler ango ke mutute abimaka na or. Ce sont eux qui doivent décider. Mais si c'est là, c'est Kinshasa qui doit décider et que les gens qui sont sur place ne donnent pas la main à Kinshasa, ça sera que il y a un travail inutile. Mais si la population sur place, bah lobby que coltan na biso awa na ruba ya ko bimaka te sans que administrateur na biso aye ba quantité nini ango bimi et qu'est-ce qui revient au territoire. À ce moment-là, les gens vont être impliqués parce que tout le monde a comme on appelle Mbongo. Diamant ya Kasaye Kendaka, Kendaka Wapi. Kasaye Bonga Tepona Nini, les Kasayens devront se parler là-bas. Et tout ça, ce qui va dialogue, wana ezana katia ba territoire nyonso, et que les gens viennent avec des solutions. Et que ces solutions-là soient portées au niveau maintenant des provinces, et que la province soit harmonisée ba texte, wana to yokani. Neto okene na niveau national pour te proclamer constitution asika. O ezana desiderata ya batunyo surtout. Voilà un peu schéma o biso tozo ko kanisa awa kende il faut to kende nango pour te sauver mboka na biso. Et quoi aboutir na nini? Formation par exemple à Mapinga o eza clean pour les Congolais. Parce que tant que toza na tant wana tozo solo là. On lance aussi l'équipe à identification eza ko identifier batu. Na ba zone o eza na batu o ba mbondo banani tout ça les politiciens batu akuna ba kovanda ensemble bi likambo eza likambo a Kinshasa teza likambo na biso moko awa toyo kana totala ndenge nini tokobongisa awe pa na biso soki boza ba mbondo venez vous identifier boza combien tokosala nini pona to protéger ma babele na biso awa tozana nkita awa parce que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas un territoire ou une zone où baza pauvreté. Il y a toujours de la richesse chez nous en République démocratique du Congo. Sur toute l'étendue du nord aussi, de l'est à l'ouest. Mais il suffit tout simplement que batoubaz à l'ensemble pour pas détecter balobite awa biso agriculture. C'est dans l'agriculture que nous allons commencer à nourrir, par exemple, Kinshasa. Nous allons nous retrouver na banane, na bambala, na biso tolo, na kaawa. Mais que cela soit vraiment pris en compte par la population elle-même. Voilà, bandeko, schéma, obiso, toza, ko mona, keno, et okiko salab. Alors, les gens dans les territoires où il y a la baba rébellion, kuna. Batouana, lorsque l'isolo ezali sur toute l'étendue de la République, c'est par là que j'ai dit que le président de la République n'a pas allé causer avec les terroristes ou quoi que ce soit parce que bango nyonso bazo wele là pouvoir oza na Kinshasa. Pouvoir oza na Kinshasa mutu nyonso tout azlingi ye moko nde a gagné, ye moko mboko oza mboka na ye tout ça on commence à penser que le président de la République ye nde chef coutumier à mboka o nyonso. Non, dans un pays moderne où le peuple congolais est déjà éveillé, tokoki kozalaka na ba makanisi wana te. Ba Mobutu bazala ki ba le kaki ba Kabila le père ba le kaki Kabila le fils a le kaki mais ce qui totie ba jalon oyo to yebi ke mutu nyonso to abotami akokuta structure oyo mutu nyonso azas ko se retrouver mutu nyonso yebi ko exprimer musala na ya salaka les gens qui peuvent étudier ba mutu nyonso to bazako s'exprimer bien et que la légalité zali, justice zali, tout le monde travaille, l'État travaille. C'est cet État-là que nous voulons remettre en question. Mais dans le modèle, oh, Félix, est-ce que Félix Tshisekedi, on peut dire qu'il a rétabli l'État congolais? L'État congolais n'existe pas. L'État congolais n'existe pas. Là, nous ne pouvons pas nous leurrer, mes chers amis. Bandeko, pour la semaine, oh, Lelo Awa, vraiment, je vous dis merci d'abord.
parce que nous allons arrêter. Je voudrais vous remercier pour les gens qui nous ont rejoints cette semaine. Namoni batou ebele va s'abonner. Namoni batou ebele va s'abonner. Namoni pe moi et le monde a des besoins partagés mingité. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés parce que il y a eu quand même partage parce que j'ai vu et puis il y a des gens, beaucoup de gens qui me suivent régulièrement mais qui ne sont jamais abonnés. Bon s'abonner bandeko. Ça va faire grandir notre travail ici. Et nous pensons que ba ide otozali nango soki kokoya na mato ya batu oyo o bazana posa ke mboka na biso mbongwana ya et que to implementer que congolais nyoso même ba o bazaka kobotama ba kokuta Congo o ezana ordre to longolana to longwana na eloko wana ya kolobaka Congo c'est la jouissance, les gens font de ce qu'ils veulent de leur pays mais ils n'en tiennent pas compte. Construction à balabala ezate mboka na biso. C'est nous qui vont changer ce pays. Ezabiso, ce n'est pas les Chinois. Les Chinois viennent pour exploiter Bazokende Nankitaba Keina Bango. Ils gagnent chez eux. Mais pour la reconstruction de notre pays, ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. C'est nous. Yangwana na kosenga na bino pour partager kaba émission o parce que idée o biso to lingi ezala penza idée moko sikoy kota na ba congolais nyoso to éveiller conscience à mutu na mutu. Que non, la direction qu'il faut faire, je pense que ça doit inclure Batounio surtout. Solution haute, tozol kam, tozol luka, tozala, il faut faire la solution, moko moutounio surtout, azala impliquer nango. On continue à développer ce sujet-là, donc c'est pour cela que Nazo Senganabino, beau s'abonner. Voilà, on va terminer par là en vous souhaitant un bon week-end pour les gens qui vont commencer le week-end ce vendredi, ou ceux qui me suivent pour le samedi matin. Donc, bon week-end et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.